Putain, il veut subing, là. Putain, ce ventre. Tu pousses un peu dans la salle? Moi, la salle, ouais. Bon, ça doit, non? Sans deck. Ouais, ouais, t'as le V, hein? T'as le W. Le V de victoire. T'as le W. Le O. T'as, t'es gras quand même, hein. Ça, c'est les années de... Comment ça, t'as dit quoi, là? T'es gras. Je suis gras? Ouais. Fais voir un coup. Wouah. T'es vraiment un chat, comment t'as un pince. Je croyais que tu forçais, moi. Non, sale. Putain, on dirait Zucchiri, gros. Regarde, de toute façon, il a pris la grosse tête, lui. Ah, putain. C'est bien, je plaisante. Dobby. Ouais, BG. Comment il va, mon fût? Ça va ou quoi? Hier, tu m'as proposé une... Avec ton GH5. Une dinguerie, hier. Tu feras gaffe, t'as un rat crevé sur ton... Et hier, tu m'as proposé une dinguerie. Si tu veux, je pourrais te proposer une dinguerie, moi aussi. C'est quoi, ta dinguerie? Essayez ma 50, gros. Ouais, bah écoute, je pense c'est pas la même notion de dinguerie, mec, hein. Ouais, j'ai tout pris, hein, j'ai tout, j'ai... Bah, sérieux, je peux... Ouais, tu peux. Je peux... On va aller là-bas. Je peux... Ouais, on peut. En gros, hier, on a été au restaurant avec Dobby Bouzard. Ouais. Il m'a dit comme ça, tout simplement, il m'a fait une dinguerie, il m'a dit, si tu veux, tu pourrais essayer mon Hera. Ouais. Oh ouais, c'est si ouf que ça. Ah, mon skiff, hein. Moi j'ai jamais eu de... J'ai eu un S1000R, mais le R1 en fait, vu que c'était la moto de mon père à l'époque, il y a eu que des R1. Tu sais, ça a toujours été mythique pour moi dans ma tête, du coup. Bah du coup, R1 maintenant c'est... Bah c'est le tout dernier. Là je préfère le R1 que le S1000R. Hein. Bah moi aussi, frère. Niveau gueule. Ouais. En plus, ouais, il est tout bien sombre, ouais. Et tout. Bonsoir les collègues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a Dobby qui veut me faire tester son R1 2022. Donc j'ai dit, bah ni plus ni moins que j'arrive, mon football salade à la crème. Je suis fan, les gars, des reins et tout. Ça fait un moment que tout le monde me demande des vidéos routières. J'ai entendu pas l'occasion parce que j'ai pas de garage, j'ai pas de moto, tout ça. Donc bah là, c'est l'occasion. J'ai hâte, ça va rouler sec. Trop content, les gars. A tout de suite. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain, les gars, c'est gratuit, ça fait plaisir. La R1 2022, les gars. Nervam. Oh putain, je vais kiffer. Ok. Voilà la bête toute propre en plus. Voilà, et du coup elle est un peu sale. Et ta plaque, t'en as rien à foutre? Ouais, moi je m'en vais. Bah en fait, ouais, pire le gars, voilà. Il... Bah il ouais. Une plaque, quoi. Faut qu'il ait la même moto, quoi. Vas-y, ouais, du coup, dis-moi. Petit R1 2021, du coup. C'est pas le... C'est je pas sais 2020. Pas s'il y en a 2022. Je pense même pas. Si, je pense que si, parce que. Si, je pense que c'est sorti. Ouais. Genre nous les cross, dans le monde du cross, les 2022 sont sortis, mais les 23 arrivent déjà. Là. Ok, bah 2021 du coup, okay. toute neuve, elle a 1200 bornes. C'est marrant, il y a un truc dessus pour que ça fasse un effet comme bah, ça. En fait c'est du carbone. Salut. Et en fait du coup avec la chaleur, t'as vu, on a l'impression que c'est huilé, ouais, ouais. Comme de l'huile. Et au début je pensais, mais c'est pas ça. C'est Dobby. Ah. Oh t'es mort. T'es mort, gars, je suis en vidéo après si vous voulez. On t'es mort, quoi. Ok les bros. Du coup voilà, je l'ai acheté clairement d'origine. Vraiment d'origine. Okay, j'avais, ouais. Tu sais, le truc ouais, énorme, la longue bavette. Ouais, tu l'as viré, ça? Voilà, c'est un garde-boue, hein, que j'avais. C'est un cross, un garde-boue, tu vois. C'est un lèche-roue. Voilà, j'ai viré ça. Ok. Première chose que j'ai fait instant, mon gars. La ligne Acra. En fait, il me proposait la ligne Acra quand je l'ai acheté. Ouais. La ligne Acra directement de chez Yam, mais j'aimais pas trop. Ok, pourquoi? J'aimais pas trop, déjà le tube était un peu plus petit. Ah donc c'est pas les mêmes lignes Acra? Non, alors. C'est d'accord. Pas exactement la même là. T'as bien fait. Et celle-là c'est une homologuée du coup. Top. On dirait pas mais... C'est une homologuée parce que bah du coup je peux enlever et mettre la chicane. D'accord, là sur le là coup... c'est les enfers. D'accord, et attends, il dit une bêtise, il me fait arrêter, tu l'as pas dans le coffre? De quoi? La chicane. Non mais... Ça c'est un bon truc que tu devrais faire, c'est la foutre dans le coffre. Attends, t'es sûr et certain? T'es sûr de toi? T'as ça de place dans le t'es sûr de toi? Mec, j'ai pas encore fini de présenter, mais je suis obligé de te contredire, mon gars. Ah, d'accord. Et encore, j'ai eu de la place parce que j'ai enlevé le capteur de frein arrière. Avant, ouais. Tu pouvais rien mettre. Tu peux mettre deux clés à l'aile. Enlever le capteur de frein arrière. Ouais, en fait, du coup, bah attends, on va ouais. Suivre. Vas-y. On va suivre le reste des... Dans la longueur. Les gars, la R1, comme je disais, c'est... Mon père a toujours eu des R1 et quand la 2009 est sortie, le premier moteur crossplane, ouais. Tu sais, qui fait ce bruit là, moi j'étais fou, tu vois. Tu sais, t'avais le gros rond ici, ouais. Et t'avais deux petits ronds sur les moi, côtés. Moi je le kiffe comme il est là. Ah là, j'adore aussi. Hein. Ouais. Et du coup, bah ça reste mythique pour moi, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai fait commande reculée aussi. Oh bien. Changer. C'est ça que t'es fort sur l'avant tout à l'heure, j'ai vu. Ouais. Ok. Ça putain. Et en fait, je voulais full black. Ouais. Tu vois, du coup, bah pareil, full black, partout, tu vois, bah, ouais, je vois ça. Ça va partir. Ah putain, ouais, j'avoue. Bah, c'est pas grave, j'ai des clés à laine. Ouais, vas-y, bah on va resserrer avant de partir. Mais ouais, ça. Qu'est-ce que tu as fait d'autre sur la moto? Des tampons? J'ai mis les tampons sur les... à l'avant et à l'arrière. RG, ouais. Voilà. Au cas où, tout de suite, arrive. C'est ça. Et les commandes de frein et d'embrayage, du coup, pareil. Ok. Oh, les leviers repliables? Ouais, bah repliables, mais ouais, bien dur. Ouais, bien dur, t'as bien serré. Mais pareil, je voulais full black. Oh oui. Et là, ce que je veux changer, c'est les bocaux.
Ok. Parce que je déteste ça. Ah, ça et celui-là là. Alors attends, tu. Ah ouais, non, moi j'adore. Et pourquoi tu l'aimes non, pas? Non, je vais les mettre noirs, mais noir plastique. Je veux pas mettre. Okay. Tu sais, il y en a, ils mettent genre des trucs en alu ou ils mettent une chaussette. Ouais, oui. Je veux que le plastique mais soit noir, mais toujours en plastique, tu vois. Ah, ok. Ça, et du coup, ouais, je te disais, j'ai enlevé le capteur de frein arrière. Oui. Parce que normalement, il est relié à la pédale de frein avec un ressort et en fait, ça fait un câble et ça t'allume derrière. Ouais. Tu vois, mais sur des sportifs, tu freines aussi un peu de l'avant. Donc en gros, quand je freine de l'avant, bah ça s'allume. Mais ouais, si je freine que de l'arrière, ça s'allume pas, tu vois. Ok. En et pourquoi tu l'as enlevé, ça te servira à quoi? Bah en fait, déjà, la commande reculée, ils avaient pas fait en sorte qu'il fallait refaire des. Ah oui, ok. Fallait faire un montage chelou, tu vois. Ouais. Donc là, t'es tranquille, tu l'as retiré. C'est ça, ouais. Et après, non, écoute. T'as mis des petites en arrière pour la béquille, non? Ouais, c'est ça. Béquille ouais, de stand. Béquille de stand, ouais, pareil. Et en vrai, non, c'est. Clignotant. Clignotant, ouais. Et c'est les derniers trucs que j'ai changé, c'est ça. Ok. Parce que j'avais, du coup, j'avais le support de plaque avec les clignotants de. La plaque, elle fait vraiment énorme maintenant. Ah, c'est un délire. Hein. Encore, ça va. Ouais, on s'habitue. En vrai, j'aurais en fait kiffé que sans ça, tu vois. Là, je l'ai acheté, tu vois. Oui, ouais. J'aime ouais bien Yam, hein, je les aime beaucoup, mais voilà quoi. Mais après, non. Faut écoute, que tu m'expliques, c'est pour les modes. Tu sais, si je veux rouler en mode cool au début, bah là, ensuite je veux passer en mode hard. Bah, je vais te montrer. Parce que moi, je suis connu pour mes vidéos tests de moto où je hurle beaucoup. Bah là, c'est mode B. Bah, du coup, c'est A, B, C, D. A, B, C, D, d'accord. D, c'est pluie. Ouais. C'est vraiment tu viens de l'avoir. Ok. B, c'est tu commences un petit peu. Ouais. A, c'est t'es sur ah, piste. T'es un professionnel. Là. Et en fait, tu l'as, de toute façon, t'as le power, TCS, traction control, si je me dis pas de bêtises. SCS, ça doit être l'anti-wheeling. Et ouais, par. Genre, vraiment. Est-ce que tu m'autorises à faire un petit wheeling ou... Enfin, si ça lève, je veux dire, pas faire le gars à faire du wheeling. Bah après, mais... si t'es serein et que t'as une bonne assurance. Ouais, ouais. Enfin, j'ai une bonne assurance, mais si t'as. Si t'es bien assuré. Ah, écoute, moi, ça me dérange pas, je suis pas là, je le sais pas. Je sais que moi. J'y arrive pas, enfin je tente même pas, je sais que ça c'est sûr. En fait c'est pas que je vais taper du wheeling mais c'est au cas où j'accélère, ça. Bah après j'ai l'habitude. Hein. Ouais. Je dis ça putain ça m'est jamais arrivé de conneries. Mais on va rien dire. Bon vas-y moi voilà et tout ça va. Et j'ai le seum c'est parce qu'elle est toute neuve et en fait regarde ça. Ah putain. T'as vu ça? Petit coup de police gros, mettez un petit coup de police. Bah ouais du coup j'ai pas le choix. Hein. Il faut que t'achètes la protection. Ouais mais ça va pas jusque là frère, je sais même pas comment je l'ai rayé là. J'ai pris une bonne femme, sa mère là-dessus, je pense. Mais une de femme. Ça peut être que ça. Petit coup de police, ça va partir. Et ensuite, ils font des gros trucs. Ça va bien haut. Ouais. Ça va bien haut quand même. Tu mets okay un truc tout noir aussi. Bah ouais, c'est ça, je suis obligé. Vas-y, bah je verrai ça. Quoi. Bon bah les gars, je m'équipe. Et après, bah, on va se faire plaisir. Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai mon casque, les gants à l'intérieur. D'ailleurs, les gars, je vous rappelle mon petit partenariat avec Moto Blues. Les gars, si vous voulez vous choper des petits équipements chez Moto Blues, mon partenaire, des bottes, un cuir. Déjà, rappel, roulez toujours équipé, les amis. Un petit casque, des gants, c'est Moto Blues. Code promo Hugo Pro 15 ou Hugo Pro 10, faut tester, les gars, ça dépend les périodes. Et puis voilà, on est parti pour le roulage. Je monte sur le bolide. Bon, mon fût. Vas-y, mec. Hein. Merci, gros. Hein. Ouais, à tout à l'heure. Waouh, oh, c'est un délire. Oh là là. Bon, faut pas que je cale. Oh, les commandes reculées, c'est haut. Waouh. Eh, écoute, je crois que c'est la première fois de ma vie que je roule vraiment sur une sportive. Bah, c'est la première fois de ma vie que je roule vraiment sur une sportive. Ah ouais. Sans déconner. Voilà, ouais. Comment c'est comme ça? Ouais. Waouh. Elle accélère tout seul quand tu pars. Ouais. Pour pas caler. Bon, à tout à l'heure. Oh là là, je suis sur un missile sol nucléaire, les gars. Qu'est-ce que je fous là? N'empêche, Dobby, il a pas eu une seule fois peur de me la prêter. Hein. Il a dit vas-y, prends. Oh, c'est un bon. J'arrive pas à accélérer. C'est quoi ce bordel? Ah, vous allez m'entendre hurler, je vous le dis. Mais mine de rien les gars, je fais pas le malin parce que faut pas oublier que moi je viens du monde du cross. Même le frein arrière, c'est quoi ça? Je viens du monde du cross, je suis plus du tout habitué hein, à rouler sur une routière, alors sur une sportive. Oh. Encore pire. Waouh. Attendez, parce que là c'est le cœur qui parle les gars, je vais vous casser les couilles, je vous le dis. Le frein avant les gars, je sais même plus s'il faut freiner de la main complète ou pas. Parce que nous en cross on freine à un doigt. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi bon, je sais pas, on va aller par là. Ah les gars, putain, vous allez m'entendre crier, je le sens. Ah là 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 là, je le sens. Attention, vous êtes pris les oreilles, ça va faire mal. Hein. Oh là 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 là, le cross plane. Ah oh, c'est nappe.
c'est que ça. Oh là là, je suis choqué. Elle a levé, gros. Oh là 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 là, je suis choqué. C'est quoi ce truc de ouf? Sans déconner les gars, je suis sérieux, faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai plus du tout les mêmes réflexes avant et tout, tu vois. Toi, je suis humble avec moi-même. Merci, monsieur. Oh là là. Je m'en branle, je prends trop de pompiers là pour rien. J'accélère à peine, j'esquive. Oh, c'est trop bien qu'il y a le shifter down. En fait, ça empêche que tu mets ta main sur le levier et t'as moins de prise sur le guidon, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est cool ça. Ça me dit ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est nappe. De toute façon, j'ai pas arrêté la routière pour rien, c'est trop méchant, c'est trop. Et quand c'est trop pico. C'est nappe. J'ai dû faire quoi, 10 km les gars, c'est n'importe. Faut que je trouve une bonne route sur mon GPS et tout là et on va bouger. Ah Dobby, je t'aime mec. Je prends un pied de ouf. C'est pas un pied de biche. Il y a sûrement pas mal de personnes qui vont se demander Hugo, rachète une moto de route. Là je t'avoue que c'est pas l'envie qui me manque les gars. Mais j'ai pas de garage, encore une fois c'est le même problème. Toujours putain de même problème. Je pose le genou en jean ou pas à bralée. C'est le jeu. Lui je fais l'extérieur lui. Je fais l'extérieur. Ouais, tu vois, quand je disais que mon 450 était puissant, je rigolais. Hein. Oh là là, les gars, la vache. Ok, mode... Oh, fils de bien plaisir. Oh, allez. Ouais, du coup, ben... On va passer par là. Hein. Donc là, je suis en mode full. Oh, les gars, ça va être nappe. Ah, il y a quand même l'anti-wheeling. Oh là 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 là, comment c'est fait? Ah, c'est quoi ça? Attends, mais elle a pris 30 chevaux ou quoi? Mais je peux même pas l'essayer à fond, les gars. Je vous jure. Ce serait mentir de dire que. Attendez, je peux pas, les gars. C'est beaucoup trop là, cette moto. Sur piste, comment j'aurais adoré une piste. De toute façon, en vrai de vrai, cette moto là ça a rien à voir à faire sur la route. On est d'accord ou pas les gars, vous me dites dans l'espace commentaire hein. Mais en vrai, si on est un peu réfléchi, elle a rien à faire sur la route cette moto. Tu vas me dire ouais mais on peut rouler tranquille les motos comme ça, c'est toi qui sais pas te doser. Bah à ce moment là ça sert à quoi gros? Ça sert à rien. Qu'est-ce que je viens de mettre? C'était quoi ce truc que je viens de mettre là? Je vous jure, je me croyais Fabio Quartararo, Quartararo. What? Oh là là, le bruit! Le bruit! C'est quoi la taille? Oh putain! Le bruit de l'admission dans les tours. Oh, MotoGP les gars! MotoGP, c'est la même chose. Un bordel de bien plaisir d'Elvam. Eh, si vous êtes chaud les copains, à 5000 likes, je demande pas beaucoup, à 5000 pouces bleus, je prends la SMR de Bouzard et je l'envoie en FRA, comme il dirait Tonton GMK. Écoutez ça. Oh là 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 là.
bon, je suis calmé. Ah, il m'en faut une sur le circuit. Il m'en faut une sur le circuit, putain, je vous jure, je rigole pas. Le kiff que je prendrai, oh oui. Ok, c'est bon, je peux me délivrer. C'est bon, t'es revenu parmi nous. Depuis tout à l'heure, je suis arrivé à l'heure locale. J'y parle pas, faut que je lance la caméra pour tout expliquer. Hein. J'arrive même plus à parler. Ouais, je vais même la poser, gros. Ah, ouais, ça, t'as débouché le nez carrément. Le bruit quand t'accélères et que t'es dans les tours, ça fait. Et là, il faut vraiment que tu la poses une fois dans ta vie. Ça fait. Tu MotoGP, tu vois. Ouais. MotoGP, tu connais ouais. Le bruit. Ouais, j'étais allé au GP de France, le bruit. Putain. Tu vas être trop grave. C'est trop, ça lève et tout. Au début, j'étais surpris. Hein. Pas l'habitude. C'est trop, façon, j'ai même pas pu accélérer beaucoup en soi. C'est pas possible d'accélérer. Ouais, sur piste. Quoi. Sur piste, par contre, j'aurais kiffé, tu vois. Faut une longue ligne droite. Ah ouais. Et c'est léger, ça va bien et tout. Tu te cales bien en arrière, c'est fait pour. Hein. T'es dans l'arrière là. Et pour la. Oh putain, sur piste, comment je prendrais un plaisir de dingue. Oh allez, on va sur piste. Ouais, non, pas chaud. Enfin, si. Mais on en prête une quoi. J'ai dit, il faut que j'en achète une un jour pour le délire, juste de faire la piste avec. Parce que là, tu peux vraiment l'utiliser, je pense, sur piste. Ouais, mais après, peut-être le S1000. Je sais pas si ça sortira après ou avant, mais. C'est un secret. Le S1000. Par contre, je pense que je préfère le freinage du S1000 RR. Enfin, le freinage du S1000 R que j'avais déjà moi à l'époque, ouais. C'est le même que le S1000 RR et je freinage, j'étais. J'ai préféré. Ah, tant mieux. Je suis content que t'aies kiffé. Ouais. J'ai hâte de voir la vidéo parce que je pense que tu l'as poussé plus que moi. J'ai vu ma moto, j'ai dit, ah, c'est ça ma moto. Bon, les gars, la chaîne de Dobby, allez voir. Hein. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Parce que moi, en vrai. Moi, je mets de l'informatique, beaucoup de cross. Non, je rigole jamais. T'étais con, j'allais dire, mais arrête. Non, je visite tout ce qui est lieu de tournage. Allez. Normalement, c'était un tournage de film de cul. Et... Mais non. Non, c'est pas vrai. Non. Oh merde, j'allais aller voir sinon. Non, je fais que de l'informatique et de la moto et de la voiture. Mais de la moto de route quoi. Ouais, voilà. Bah les gars, n'hésitez pas à aller voir pas, hein, la petite plaisir. Chaîne à Adobe. Mais surtout, abonnez-vous à sa chaîne à Hugo si vous n'êtes pas déjà abonné. Vas-y, on s'en prie plein de gueule. Putain, on vous programme sur les gueules. Bon les gars, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, je vous aime. Et on se dit à 5000 likes, j'essaie la moto de bouseux. Hein. Donc, faites péter les pouces bleus. Crazy.